Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les participants. Et bonjour à Céline particulièrement, qui m'a coaché pendant plusieurs jours. Et Vincent de Vibrac, bonjour. Et à tous les participants d'Europe et d'Afrique, merci de vous prêter à cet exercice. Et nous, du Burkina Faso, nous allons vous parler donc du village de Koumi et de son bâti en relation avec le changement climatique. Le village de Koumi se situe donc au Burkina Faso, dans la zone ouest, et vous avez tout en bas présenté une image satellitaire, et le noyau du village, vous l'avez ici, si vous voyez donc là, c'est le noyau du village, et ce dont nous allons beaucoup parler, parce que le village de Koumi, c'est un noyau, mais aussi avec une périphérie, dont je vais parler plus tard. Et donc, à droite, j'ai essayé de symboliser, de schématiser un peu le village, et tout en blanc, c'est donc le noyau. Mais sur les deux côtés, le nord et puis le sud, vous avez des crevasses qui ont été réalisées par des hommes, donc sous forme de remparts, il y a bien, assez bien longtemps. Et ce village est contigu à un cours d'eau qui s'appelle le Kout. Et d'ailleurs, le nom du village est issu donc de ce marigot. Et Koumi, mi, ça veut dire boire, ça veut dire aussi se laver. Et le premier habitant était donc habitué à venir se laver là, dans ce marigot. Et il a choisi d'habiter juste à côté de ce marigot. Donc, disons, ce cours d'eau a donné naissance à un village qui aujourd'hui est majestueux à plus d'un titre. Et c'est un village aujourd'hui que vous trouverez donc à 16 km de Bobo-Dioulasso, avec à peu près 5000 habitants, et le noyau compte à peu près 2750 habitants. Et la vie à Koumi, c'est une vie sociale très accomplie. Et vous avez par exemple une image que je vous indique à droite, à gauche. Il s'agit donc de l'initiation. Tous les 9 ans, à Koumi se déroule l'initiation des hommes, mais aussi des femmes, c'est-à-dire le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est tout cela pour dire que Koumi est vivant. Koumi est vivant. Vivant aussi du point de vue économique, et cette économie réalisée par des artisans, la forge, et cette image de la forge que j'ai réalisée seulement il y a 2 jours. Et à côté, vous avez aussi le travail du cuir qui est réalisé par une caste qu'on appelle les griots. Voilà. Donc, voilà un village qui, aujourd'hui, est vivace, comme je l'ai dit, avec une vie spirituelle très, très prononcée. Et donc, lorsque vous promenez un peu dans le village, vous verrez donc des hôtels, voilà, pour plusieurs circonstances, vous verrez des hôtels qui permettent donc aux habitants de pouvoir rester en relation avec leurs ancêtres, avec leurs dieux. Et voilà, et nous allons parler principalement du bâti traditionnel de Koumi. Et ce bâti traditionnel se fait à base de terre crue. Et cette terre crue, c'est donc une terre qu'on prépare pendant plusieurs jours, parfois pendant plusieurs semaines. Et c'est de la terre à laquelle donc on apporte des herbes, à laquelle on apporte du son de maïs, du son de mil, etc., pour l'enrichir afin de pouvoir la rendre ferme. Et alors, cette terre est compactée et mise sous forme de boules. Et ces boules-là sont transmises à un constructeur qui est un maçon traditionnel qui va construire les différents murs. Et le mur se réalise en plusieurs étapes. Ce ne sont pas des briques, mais ce sont des boules. Ça se réalise en plusieurs étapes. Et les étapes sont successives. Lorsque une tranche de mur est faite, on laisse à sécher et ensuite, 3 à 4 jours après, on procède donc à la réalisation d'un autre pan de mur, etc. Et c'est de façon successive comme ça que toute la maison sera réalisée. Et on passera ensuite à l'étape donc de pose de la dalle. Et cette dalle-là, c'est des lattes de bois qui sont réalisées, qui sont soutenues par des troncs d'arbres. Et avec un tronc principal, qui va aller donc de la salle de séjour
jusqu'au haut de la maison parce que la consa est réalisée. La consa, c'est la maison mère, est réalisée donc avec un étage. Et à l'étage supérieur, vous avez donc le chef de famille qui y réside et qui reste donc en lien avec les autres qui sont dans la salle de séjour, ce sont les femmes et les enfants qui sont dans la salle de séjour et qui passent les nuits, mais aussi et dans cette salle de séjour, il y a aussi une cuisine. Voilà. Et alors, le monsieur, disons le chef de famille, pour rester en contact avec son épouse, quelque part pour vous dire comment les choses se passent, s'il a besoin de son épouse, puisqu'il réside en haut, alors il tapera sur le bois. C'est donc le tram principal et l'information parvient sous forme sonore dans la salle de séjour et bon, les choses se passent normalement. Et la maison est faite sous forme donc étagée pour permettre, disons, au chef de famille, vous voyez en haut, à partir d'une visière, de surveiller la cour, de surveiller le village. Parce que quand vous êtes initié, en tant qu'homme, vous devenez aussi un guerrier, donc celui qui défend la communauté. Et de cette façon, le rôle est assumé par tous les hommes du village. Et la consa se construit d'une façon participative, parce que là, tout le monde participe à cette construction, et c'est ce qui est symbolisé par l'image du bas. Et maintenant, pour en venir à la question donc de changement climatique, voilà, comment cela se matérialise-t-il au Burkina Faso? Nous savons qu'en 1973 et 1974, le Burkina Faso a une très grande sécheresse qui s'est répétée en 1983-1984. Et cela a marqué vraiment un coup dur sur l'agriculture, un coup dur aussi sur le social et l'économie. Voilà. Et ça va beaucoup travailler, ça va beaucoup amener les populations à migrer, voilà, donc des zones défavorisées vers des zones dites favorisées. Et donc, la grande manifestation aujourd'hui des changements climatiques pour le Burkina Faso et principalement pour notre site, le site de Koumi, c'est l'abondance des eaux de pluie. Et les pluies sont devenues très tardives au Burkina et aussi à Koumi. La saison s'installe très, très lentement et en retard. Vous savez que le Burkina Faso a deux saisons. Une saison de pluie qui ne dure que 3 ou 4 mois et une saison sèche qui dure le reste de l'année. Et donc, et maintenant, pendant les saisons de pluie, alors, il y a beaucoup de pluie qui tombe du coup. Voilà. Et donc, et ça fait des crues. Vous savez donc, alors que le marigot, le cours d'eau, que vous voyez sur votre gauche, c'est le cours d'eau de Koumi. Et ce cours d'eau, il y a 2 ans, en 2020, en septembre, avec le flot, avec la force de l'eau, ça a fait péter le pont qui relie donc le reste de la ville à Koumi. Et ce pont, donc vous voyez, donc toute la force de l'eau qui passe sous ce pont et dans cette rivière, en même temps beaucoup de sable. Donc, il y a le phénomène d'ensablement qui est en train de s'installer et qui joue négativement contre le village de Koumi. Et vous avez une image à droite. Et cette image-là, c'est l'image d'un atelier souterrain. Et cet atelier souterrain, c'est un atelier souterrain qui permet aux femmes d'y faire de la vannerie. Et ces ateliers souterrains, pour la plupart, ont été presque inondés depuis un certain nombre d'années, donc cela s'effondre. Et plus grave, c'est que les maisons, donc les bâtiments, toutes faites de terre, sont complètement immergés, pas immergés, mais au moins commencent à tomber beaucoup en ruine. Depuis une dizaine d'années alors, Koumi n'a plus son lustre d'antan. Donc voilà des effets déjà qui sont observables. Et lorsque vous posez la question donc, à cette population de savoir quelle est sa perception des changements climatiques, est-ce que la population est au courant des changements climatiques, les réponses sont assez symptomatiques. D'ailleurs, nous n'avons pas fait une longue étude, mais depuis lors que nous savons que nous allons animer cette communication,
nous avons fait le déplacement de Koumi pour nous enquérir auprès des populations de ce qu'ils pensent du changement climatique et aussi de leur réaction et de l'adaptation qu'ils pensent réaliser ou qui sont déjà réalisées. Donc, les images que vous voyez là, c'est pour montrer toujours les effets de la pluie, les effets de l'érosion, les effets de la chaleur sur les bâtiments. Donc, il y a beaucoup de ruines qui sont causées par le fait donc, du changement climatique. Excuse-moi, Georges, il restera peut-être une minute, voire deux minutes pour passer sur les actions qui ont été mises en œuvre. D'accord. Donc, venir aux actions, la perception que les populations ont des changements climatiques, c'est qu'ils pensent que pour les changements climatiques, voilà, il y a un manque de moyens financiers qui les ils ne parleront pas tout de suite de changement climatique, mais les maisons détruites, etc., les ruines qui sont causées, ils pensent qu'il manque de moyens financiers pour les rebâtir. Mais aussi, voilà, ils pensent que les jeunes qui ont la force vont vers les villes. Donc, du coup, alors, les gens ne sont pas là pour entretenir les maisons. Donc, du coup, alors, il y a beaucoup de pertes. Et nous, quel constat nous faisons par rapport à cette perception? Nous pensons que, voilà, l'agriculture a changé au niveau donc, du village à cause du changement climatique et le village est devenu très pauvre. Et cette pauvreté fait que les gens s'en vont, soit en Côte d'Ivoire pour travailler ou s'en vont en ville pour être vigiles. Et alors, nous avons constaté aussi que les populations face à cette difficulté causée par le changement climatique va donc à l'emploi de solutions de facilité en essayant de rebâtir les maisons, pas dans le modèle initial, mais dans des modèles assez précaires, etc. Et comment donc cette population arrive à s'adapter? Nous avons essayé de discuter avec eux. Il y a le verrou de la tradition qui fait qu'aujourd'hui, Koumi ne peut pas tomber, Koumi ne peut pas disparaître. Le noyau dont je vous ai parlé au début, ce noyau-là est complètement fait de terre et il est défendu d'y construire autre chose que de la terre. Et d'y construire dans une technique particulière, la technique donc du melon, donc les boules de terre qui sont superposées par étapes successives, etc. Et donc ce verrou fait que quelque chose, d'autres habitations ne peuvent pas se faire à l'intérieur. Et donc ceux qui ne veulent pas travailler dans ce sens-là, voilà, vont à l'extérieur, sur les périphéries, pour construire leur maison en parpaing. Et nous, en tant qu'association de recherche, d'études et appui conseil sur le concept culture et développement, nous avons appuyé le village sous plusieurs formes. C'est-à-dire que le village, voilà, les villageois se sont rendus compte de ce qu'ils vivent. Mais après, ils perdent tout leur pouvoir. Et nous mobilisons, nous avons essayé de réfléchir avec eux. Et depuis une dizaine d'années, nous essayons de réfléchir et de travailler avec le village. Et nous avons effectué un voyage d'études à Ségou. Ségou, c'est au Mali. Et ce voyage d'études, pour travailler et comprendre mieux le travail de la terre. Et vous avez les grands sites de France, mais six des cités remarquables de France qui appuient un projet depuis plusieurs décennies à Ségou. Et ce projet, je crois bien que ce que nous avons ramené en termes de connaissances nous a permis de faire un transfert de techniques et de technologies aux maçons traditionnels pour rebâtir les maisons. Et donc, c'est sous cette forme que certaines maisons ont été rebâties. Et à partir de cet instant, n'ayant plus peur, prenant courage, alors les populations ont commencé à rebâtir leurs maisons. Ça, c'est une forme de résilience qui ne dit pas son nom. Et depuis, lorsque les grandes funérailles, qui sont donc des opportunités et des occasions de visite et de visite du village par d'autres communautés, alors les gens mettent maintenant un soin particulier à reconstruire les maisons pour qu'elles soient vraiment belles. Ça, c'est vraiment
quelque chose d'assez important. Quelles sont les perspectives alors pour le village? Et les perspectives, c'est d'ailleurs la mise en tourisme, voilà, la remise ou le renforcement de la remise en tourisme de Koumi. Koumi a été pendant longtemps donc, un site touristique qui a été visité pour, à cause de son bâti. Voilà que ce bâti aujourd'hui traverse une période très difficile. Et alors, quelle solution trouver? Les perspectives, c'est vraiment, nous sommes en train, en tant qu'association, mais aussi le ministère de la Culture, essaie donc d'apporter quelques appuis pour permettre au village de se remettre debout et de considérer son patrimoine, voilà, pour lui permettre donc d'organiser son patrimoine en vue donc d'un accès à une économie pour combattre davantage la pauvreté. Et nous, en tant qu'association, et avec nous essayons de travailler, de faire un plaidoyer auprès donc, des acteurs publics, des autorités publiques, mais aussi de la collectivité, pour que, bien entendu, il soit accordé une attention particulière au village de Koumi, qui est assez particulier, et je pense que c'est un village à nul autre pareil au niveau du Burkina Faso, et donc un patrimoine véritablement à préserver à ce regard. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? En conclusion, le bâti traditionnel donc, de Koumi ne devra pas mourir. Et ce bâti traditionnel est la vie de Koumi. S'il n'existe pas, Koumi n'existera pas. Et donc, nous sommes assurés que cette population qui est très résiliente s'organise véritablement pour que Koumi ne meure pas, afin qu'une vie organisée, une vie traditionnelle organisée autour d'une économie vivace lui permette aujourd'hui de combattre la pauvreté et de s'attirer, bien entendu, des touristes de l'extérieur et de l'intérieur surtout, parce que nous sommes dans la promotion d'un tourisme intérieur. Vous savez bien que le Burkina et beaucoup de pays d'Afrique ne sont pas beaucoup versés vers le tourisme, mais le tourisme interne, nous sommes en train de le promouvoir pour que nos sites ne meurent pas. Voilà donc ce que je pouvais dire avec la petite étude que nous avons menée sur le village de Koumi en relation avec les changements climatiques. Je vous remercie.